Voilà, Madame Ox, bonjour. Alors, vous êtes accompagnée de votre nièce. Oui. Alors, dites-moi un peu pourquoi vous venez me voir. Pour une euthanasie. Ah oui, clairement. C'est pour ça que vous venez. Oui. Et la maladie, c'est une sclérose latérale amyotrophique, c'est juste? Oui. J'ai perdu mes jambes. Je ne sais plus marcher. Oui. Je ne sais plus rien prendre dans mes mains. Je suis dans mon fauteuil depuis une heure jusqu'à 7-8 heures du soir quand on me roulait. Et je ne sais pas bouger. D'accord. Vous êtes arrivé au stade où vous êtes quasi tétraplégique. Vous dépendez d'autrui pour tout. Faut qu'on me prenne hors de lait. Voilà. Je ne sais pas ouvrir ma correspondance. Je ne sais pas la lire, je ne sais pas la tenir. Et je ne veux plus. On peut comprendre que la frontière à laquelle vous êtes là pour l'instant, c'est celle qui détermine votre demande d'euthanasie. Oui. Vous comprenez bien mon état, que je suis vraiment handicapée. Et heureusement, vous parvenez encore à manger et à respirer correctement. Parce que c'est ça aussi que j'ai peur de ce qui peut encore m'arriver. Un jour, on ne serait plus capable. Mais non. C'est ça surtout que... Qui m'a fait encore ça, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Votre médecin traitant me dit en effet que vous êtes en demande d'euthanasie tout à fait claire depuis déjà un certain temps. Oui. Mais qu'il ne pourrait pas faire ça lui-même. Et donc, vous êtes vraiment déterminé. Ah oui? Vous ne souhaiteriez pas qu'on reporte son audition? Non, pas du tout. Le plus vite possible. Le plus vite possible? Ouais. Le plus vite possible pour vous, ça veut dire quel délai? En semaine, en mois ou en jour? En semaine. Hein? En semaine, d'accord. Tout le personnel de la maison de repos est bien au courant aussi? Oui. Oui, tout le monde. Et en général, tout le monde me comprend. Alors, vous le faites de manière tout à fait sereine, non? Oui. Ah oui. Avant, j'étais nerveuse et là, je... Non, maintenant, elle est beaucoup plus calme. Et tout le monde est un peu d'accord avec vous. Oui, bah, oui, toi aussi. Oui, bah, je respecte son choix. Oui, je suis beaucoup plus sereine. Oui. Depuis. Voilà. Je n'attends qu'une chose, la date. La date, d'accord. Et vous attendez ça avec le sourire. C'est ça que... Vous êtes d'accord aussi. Madame Ox, vous êtes en ordre sur le plan administratif et légal. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, là. Vous avez vu un médecin spécialiste, vous avez vu votre médecin traitant. Vous êtes dans un contexte de maladie grave et incurable. Vous êtes à un stade évolué de la maladie. Ah oui, très vite. Écoutez, je ne vais pas m'opposer à la procédure qui me semble bien, bien menée et bien construite. Hein. Oui. Il y a... Je vais vous dire le fond de ma pensée, si vous voulez bien. Bien sûr. Il y a un peu un paradoxe entre votre démarche qui vise à obtenir un acte qui vous fait mourir avec le sourire que vous avez sur le visage. Mais je n'en suis pas plus étonné que ça. Non. Parce que j'ai rencontré pas mal de personnes dans votre cas qui, lorsqu'elles savent que les médecins acceptent leur demande, eh bien... Ils sont contents. Et donc, ils sont souriants. Ouais. Vous êtes bien à ce stade-là. Ouais. Ce qui est un peu paradoxal. Ouais. On est d'accord. D'accord avec vous. Et comment l'expliquez-vous, ce paradoxe? La tranquillité. Soyez rassuré. Ouais. Oui, oui. Je vais faire un rapport positif à votre demande. Maintenant, il va falloir qu'on... On envisage les modalités pratiques. Parce que si je dis oui, votre médecin traitant ne veut pas le faire lui-même. Non, la piqûre, il ne veut pas l'en faire. Ça, donc, je ne saurais pas.
Donc, il va falloir organiser votre hospitalisation ici. Mais il va falloir, si j'ai bien compris, que j'intervienne alors. Ah ouais. Je vais voir un peu si c'est possible de faire ça durant le début du mois de juillet. Vous aurez le temps, donc, de prévenir tout le monde. Ouais. De mettre vos affaires en ordre, comme on dit. Oui. Et comment est-ce que ça se pratique? Ah, voilà une question intéressante. Alors, vous arrivez dans votre chambre, je viens vous dire bonjour, je vais vous demander si vous êtes toujours... D'accord. D'accord, si vous êtes toujours demandeuse, c'est moi qui dois être d'accord, c'est vous qui devez demander, hein? D'accord? Ah oui. Nous n'inversons pas les rôles. Non. Hein? Et l'acte consiste à vous endormir. Vous avez déjà été endormi? Oui, on voit. Et donc, vous savez bien ce qui va se passer. Oui. Vous vous endormez sans vous en rendre compte. Non. Mais vous ne vous réveillez pas. Et c'est fini. Ça va très vite. Vous pouvez être accompagné de toutes les personnes que vous souhaitez à côté de vous. Avez-vous des choses à mon ordre? Ah, on peut s'organiser pour que le prêtre... Vous êtes vraiment en ordre dans votre tête, là, j'ai l'impression. Hein? Tout à fait. Je suis bien décidé. D'accord. Monsieur Zarette, vous n'êtes pas en fin de vie, là, pour l'instant. Non, pas du tout. Mais vous venez quand même me voir. Oui. Dites-moi un peu. Yeah, mais... C'est-à-dire que je voudrais être, par exemple, opéré prochainement, enlever la vessie. La vessie. Et la prostate. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'acharnement aussi. Ne pas s'acharner comme ça pour rien du tout. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on aboutira nulle part. Et pour le rendre handicapé, oui. Je crois. C'est ouais. Ça surtout qui pense. Ça, je ne peux pas accepter ça. Non, on va pas. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me dire ce dont vous êtes encore capable maintenant sur le plan fonctionnel? Combien de mètres est-ce que vous êtes capable de marcher? 10-15 mètres, toujours plus. Hein. Ouais. Monsieur Zarette, je vais vous parler franchement, vous voulez bien? Oh, je vous en prie. Mais dans la mesure où je peux être sincère, en vous donnant des informations qui ne sont peut-être pas à prendre comme la vérité absolue. Oui. Vous avez une affection cardiaque et respiratoire et rénale avancée. Exact. Trois fonctions vitales majeures qui s'influencent les unes les autres. Et on va vous faire subir une chirurgie lourde. Ça risque de mal se passer. Ben, je prendrai les décisions qu'il faudra. Hein. Vous devez établir un contrat un peu avec les médecins. S'ils vous disent après 4-6 semaines que on ne voit pas le bout du tunnel, ou pire, on n'a pas beaucoup d'espoir de vous tirer d'affaire. Là, il faudra un peu se préparer à prendre des décisions. Moi, je suis déjà prêt. Voilà. J'en ai parlé à mon épouse. Je pense qu'elle est prête aussi. Il faut en parler avec votre fille. Et ma fille, je pense qu'elle est prête. Parce qu'on le voit beaucoup souffrir hein, depuis des années. Mais oui. Ça fait voilà. En me faisant pas opérer, je sais bien que donc, beaucoup de choses vont arriver. Oui, là, c'est vrai que c'est... Est-ce que ces choses-là arriveront très vite? Ah, ça ne peut pas vous donner de délai. Donc, à ce moment-là, je ne me fais pas opérer. Je profite du temps qui me reste. Oui. Et alors, et le jour où ça commence à aller... Je ne m'entends pas au service. Oui, c'est un scénario possible, ça. C'est un scénario possible. Pour moi, il y aura aucun problème. C'est pour ceux qui restent. Voilà. Oui. Un coup de baguette magique, c'est celui qui reste. Et pouf, tout s'éteint. Bien. Plus de souffrance. Oui. Nous étions vus donc en janvier. En janvier, oui. J'avais déjà écrit à votre médecin comment
Comment allez-vous depuis? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que j'ai continué les chimiothérapies. Mmh. Puis j'ai eu un scanner. Mmh. Qui a montré que... j'avais pratiquement plus de métastases, plus rien, sauf à l'endroit qui n'est pas opérable. Donc, le point de votre situation que nous faisons aujourd'hui, comment le résumez-vous alors? Moi, je pense que c'est important que je vienne vous voir. Mmh. Pour moi et pour vous. Parce que... Un jour, vous aurez besoin de moi. Vous pensez toujours ça? Vous pensez? Mais c'est sûr. Mmh. Il me reste de chimiothérapie. Après, il n'y a plus de solution. D'accord. J'avais écrit à votre médecin. Comment est-ce qu'il a réagi? Elle pratique la méthode Coué. Ça va aller. Ça va aller, on va s'en sortir. Voilà. Avant, comme je n'étais pas sûre que je puisse être prise en charge en Belgique, j'avais une longue discussion... pénible avec elle pour lui dire en phase terminale, je voulais pas rester chez moi avec mon fils. Elle me dit, mais je vais m'occuper de tout, je vais vous trouver une place en soins palliatifs, sachant qu'en France, il y a seulement 20% des besoins qui sont couverts en soins palliatifs. Donc, vous voyez, ça va pas de soi du tout. Mon fils a 21 ans, je me vois pas agoniser sous son nez. Et moi, je veux pas que mes enfants voient ça. Enfin, c'est pas possible. Ils savent, à 21 ans, qu'un cancer, c'est souvent mortel. Oui. Et donc, vous pouvez aborder la question par ce biais-là. Il faudrait vraiment le faire de manière qu'ils aient le temps de se positionner sur le fait, un, de perdre leur mère et de la perdre de cette manière. Donc, si les enfants peuvent se préparer et se positionner sur cet acte et ce choix particulier que leur mère fait, ça peut être... quelque chose aussi pour eux qui est fondateur. Bien sûr, bien sûr. Et qui, de l'ordre de la transmission, de l'ordre de certain héritage qu'ils vont avoir d'une maman qui est partie de cette manière. Mmh. Voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est de cette manière-là qu'il faut aborder les choses. Mais j'adhère tout à fait à ce que vous dites. Hein. Je... Bien, voilà. J'ai aucun problème avec ça, il faut que je le fasse. Mmh. Ça vous incombe. Oui, bah oui. L'annonce d'une euthanasie va d'emblée faire réagir les proches. Ça mobilise les réactions émotionnelles, de colère, d'opposition, de tristesse. Donc des oppositions, on en rencontre extrêmement souvent. Je pense qu'on ne parle jamais assez des conditions dans lesquelles on va pratiquer. Et on revient à l'idée de ce besoin de concerter les proches directs pour éviter les retours de flamme aussi. De situations qui sont mécomprises ou dénoncées ou jugées à tort. On a une expérience ici, pas si lointaine, récente, d'un médecin qui a pratiqué, semble-t-il, dans les règles et qui se fait pointer du doigt par la justice et la société. C'est inquiétant. Hein. On n'a pas envie de pratiquer l'accompagnement de fin de vie avec une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de notre tête. Moi, il me semble que... quand il y a une demande d'euthanasie, qu'elle est recevable au terme de la loi, c'est la volonté de la personne qui prime. Il faut prendre ses responsabilités et la peur de la plainte ne doit pas nous arrêter. Si on ne fait pas comme ça, on ne fait jamais des euthanasies. Alors, je comprends qu'il y ait beaucoup de généralistes qui disent « moi, je ne veux pas entendre parler de l'euthanasie ». Beaucoup de confrères qui font appel à moi qui me disent « écoute, je suis d'accord, mais c'est toi qui fais la déclaration, c'est toi qui déclare parce que j'ai peur ». Ils trouvent que c'est légitime dans la pratique médicale, mais la peur de la justice est quand même fort présente, hein, et ça refroidit. Je vais revenir, si vous voulez bien, sur une question que je me posais dans la pratique que j'ai de ma consultation. Le fait qu'un nombre considérable de personnes qui viennent à ma consultation viennent de France.
avec des pathologies qui sont souvent évidentes. Mais le suivi de proximité n'est pas assuré, évidemment, du tout. Je me pose la question de savoir si je dois continuer à accepter ce genre de choses. Pour moi, c'est évident que c'est les patients français qui sont au centre. Donc, que tu acceptes de continuer à faire le travail de les euthanasier quand ils sont dans le cadre de la loi, ça me paraît la juste position par rapport à l'idée de dire qu'il faut renvoyer la responsabilité aux praticiens français. Ce que nous devons faire aussi, mais en leur montrant que nous n'abandonnons pas les patients et que nous avons notre pratique médicale. Le problème, c'est que tu es bien seul à faire ça. Je voulais savoir à partir de quand, à partir du moment où je rentre dans le protocole, je peux concrétiser une date, une heure et une date. Ce qui est pour moi le plus compliqué et le plus difficile à accepter en soi, quoi. Voilà. Parce que c'est une chose pas... Je ne vous apprends rien, bien sûr, mais pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi, d'incompréhensible, presque, à supporter comme idée. C'est-à-dire de se sentir capable de mourir, de choisir un terme. Voilà. C'est accepter ce choix et la date et l'heure. C'est voilà. Ça, la mort choisie. Voilà. Ce que je vis aujourd'hui, c'est plus possible. C'est beaucoup trop douloureux depuis le début. Je ne supporte plus. Je n'en peux plus. Voilà. Il y a des personnes qui ont une sclérose en plaques, qui n'ont jamais mal. Moi, j'ai mal tout le temps. Et on n'a pas trouvé de moyen de soulager ces douleurs? À part la morphine? Oui. Non. Quand j'ai commencé à décrire la maladie, on me demandait, vas-y, décris-nous ce que tu as, décris-nous ta maladie, comme vous venez de me le demander. Je dirais que j'ai été irradié. C'est ce que ça m'évoque. Comme si j'avais été irradié... par une centrale nucléaire. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'étais directeur technique de théâtre. Ah, vous m'avez dit ça, oui. Et musicien, en plus. Et musicien ? Oui. Quel instrument ? Batterie, percussion, tactile. Et c'est ce qui m'a fait le plus de mal, ne plus pouvoir me servir de mes jambes. Oui. Une batterie sans jambes, ça n'existe plus. Alors, votre handicap est déjà ancien, s'aggrave progressivement, oui. Et vous êtes amené à réfléchir sur une situation que vous ne pourriez plus supporter, raison pour laquelle vous venez me voir. C'est juste, c'est comme ça qu'il faut... C'est plus que ça. Dites-moi. C'est-à-dire que je passe par des moments où c'est plus supportable. Déjà maintenant? Oui. Oui. J'en ai de plus en plus. Oui. Depuis... plus d'un an maintenant. Hein. Les douleurs, tu parles? Oui. Qu'est-ce qui rend votre situation insupportable? Ce sont les La douleur. Oui. La douleur constante, permanente. C'est impossible, quoi. Voilà. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux plus. Je veux que ça cesse. Je veux que ça s'arrête. Oui. Mais vous disiez que vous étiez encore dans une position où vous pensiez difficile d'imaginer... une décision de votre part. Ah, elle est difficile, cette décision. Parce que j'aime la vie. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bien sûr. Mais pas cette vie-là. Non. Je vais m'autant arrêter. Comment voyez-vous les choses? Comment imaginez-vous la suite ou le scénario qui pourrait vous convenir? Je venais voir des gens qui savaient faire. Ils savaient faire quoi? Ça. Ça. Ce que je recherche. C'est-à-dire faire un acte euthanasique? Oui. Mettre fin à votre vie? Oui. J'attends à ce que ce soit dans le calme, dans la paix, dans... Voilà. C'est comme ça. Mm-hmm. Vous avez un médecin traitant, monsieur? Oui. Il est au courant de votre démarche aujourd'hui?
Oui. Et si la loi en Belgique existait en France, quelle serait sa position? La même que la mienne. C'est-à-dire? Pour. Pour. Je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter avec un médecin pour arriver à conclure qu'à un moment donné, le moment est devenu pertinent. Oui. Et que le choix va être le bon. Oui. Pour vous. Oui. Pas le docteur qui va décider. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, j'ai deux garçons. Et ils connaissent votre démarche aujourd'hui? Oui. Quand je dis qu'un parcours qui aboutit à l'euthanasie doit être construit, il est évident que c'est une mort, comme vous aviez dit, choisie. Donc, c'est une mort qui est programmée. Et donc, c'est une mort qui doit être préparée avec son entourage. Je vous suis. Donc, voilà. Vous avez une maladie grave, évolutive, extrêmement pénible. Vous avez la motivation, l'énergie pour venir jusqu'ici faire cette démarche. Je pense que je peux vous dire que vous êtes dans les conditions légales pour que votre demande soit prise au sérieux. Bien. Et que à partir de ce moment, on commence à construire le dernier parcours. D'accord. Qui aboutira sans doute à une euthanasie. D'accord. C'est extraordinaire. C'est ça que vous cherchez? Bien sûr. Voilà ce qu'on peut faire, si c'est bien ça que vous désirez. Oui, c'est ce que je désire. Est-ce que tu as d'autres questions? Mais je ne sais pas. On n'est pas pressé, réfléchissez-y. Tu avais fait une petite liste? Il y avait quelques questions là, oui. Oui, on se demandait à partir de quand, à partir du moment où il décide de le faire. Mm-hmm. Donc, il prend contact avec vous. Oui. Et alors, il me faut... Et à ce moment-là, est-ce que c'est long encore? Il faut quelques jours. Quelques jours. D'accord. C'est pas long du tout. Quelques jours pour que je puisse réserver une chambre seule pour que pour vous accueillir ici. Voilà. C'est bien. C'est bien de faire tout ça. Pour nous. Qu'est-ce que j'en veux à mon pays de ne pas le faire? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Que ce soit les médecins, les vrais sachants et les politiques, je les plains. Puis l'humain n'est pas pris en compte, la maladie éventuellement est prise en compte, mais les conditions de vie ne sont pas prises en compte. J'ai honte pour eux. Alors bien sûr, ils nous entendent, oui, oui, mon pauvre. Oui, bien sûr. Mais c'est tout. J'ai un secret petit espoir, c'est que savoir que vous avez la possibilité vous permettre d'attendre un peu. Ça donne un peu d'oxygène. Voilà, c'est ce que j'espère. C'est vrai. C'est vrai. Et que vous n'activiez pas trop vite la procédure. Oui. Voilà, monsieur. Bien. Lombard. Bien. Monsieur Damas. Alors, dites-moi un peu, pourquoi venez-vous me voir? Je suis fatiguée. Je suis très, très fatiguée moralement. Mmh. Je perds mes forces. Je vais régulièrement à l'hôpital. La toute première fois, j'avais 8 ans. Mes parents se sont quittés. Oui. Et voilà, j'ai très, très mal géré. Enfin, ça, c'est une histoire ancienne, ça. C'est quelque chose qui vous marque depuis lors et qui est responsable de... Oh, il y a de tout. De vos problèmes aujourd'hui? Oui, mais je suis toujours à l'hôpital de jour, ah, actuellement. D'accord. Et il y a 2 ans, donc,
J'ai voulu mettre fin à mes jours. Il y a 2 ans, qu'avez-vous fait? J'ai pris beaucoup de médicaments et je me suis ouverte le bras. J'ai été hospitalisée. Quand vous sortez de l'hospitalisation, vous vous sentez différente? Vous vous sentez mieux? Pas mieux, mais malgré qu'il m'aide, ça ne m'empêche pas parfois d'avoir des idées très très noires. Alors ces idées noires, elles aboutissent à une démarche que vous faites aujourd'hui. Et en venant me trouver, c'est vraiment pour... Écoutez, moi c'était pour faire les choses proprement. C'est-à-dire que, voilà, je sais très bien qu'on pourrait se suicider en se mettant sur les rails d'un train. Mmh. Et là, je sais que ce ne serait pas raté. Mais par rapport à mes enfants, voilà quoi, je me dis non, ça ne va pas le faire. Et là, pour l'euthanasie, je sais, c'est gros. Mais j'étais très fatiguée, je suis fatiguée. Tout me demande des efforts. Je dois faire semblant. Semblant de quoi? D'aller bien. Pourtant, j'adore mes fils. Vos 2 filles sont au courant de cette démarche? Non. Non. Alors, vous vous rendez compte que choisir sa mort et décider d'un moment de partir sans que les proches n'en aient été avertis ou préparés, c'est une petite catastrophe qui va se passer pour eux. C'est comme si vous vous suicidiez dans un coin sans prévenir personne. Mais les gens qui se suicident ne préviennent pas. Oui, et ça se passe comment pour l'entourage? Pas bien. Pas bien? Pas bien, parce que vraiment pas bien du tout. Ils vont rester des questions. Voilà, vraiment pas bien du tout. Alors, à fortiori, vous imaginez que, au lieu de vous suicider, vous avez l'aide d'un professionnel. Vous imaginez un peu la réaction de vos enfants. Comment? Ma maman est euthanasiée par quelqu'un qui a accepté ce qu'elle demande, mais sans qu'on ait été prévenu, sans qu'on ait pu faire quelque chose. À ce moment-là, je les tiendrai au courant. J'aurais espéré qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent ma démarche. Oui. Votre médecin traitant est très hésitant. Votre médecin psychiatre est opposé. Tout à fait. Est-ce que je peux vous expliquer un peu comment on peut envisager une euthanasie qui aboutisse? Oui. Il faut 2 choses importantes. La loi dit qu'il faut que vous soyez dans une situation incurable et sans issue. Et il faudrait pour bien faire, comme la loi le prévoit, qu'il y ait 2 psychiatres qui confirment ça. 2. Ce qui est considérable. Hein? Et la 2e chose, c'est évidemment que accepter une euthanasie pour laquelle la famille ne comprend pas pourquoi cette chose est possible, c'est transporter une souffrance qui est la vôtre aux autres et ne pas solutionner un problème qui doit être pris, je pense. Vous avez raison, et ça j'ai pensé de manière globale. J'étais tellement mal que je ne pensais qu'à moi. Voilà. Ça, je peux comprendre que vous soyez un peu... On devient un petit peu égoïste, on devient... Oui, mais un peu aveuglé, quoi. Tout à fait, hein? Oui. Ça, je peux comprendre. Le rôle des docteurs, c'est de vous éclairer. Et donc, m'engager avec vous dans une procédure qui pourrait conclure à une situation sans issue et qui pourrait aboutir à un acte euthanasique, ne me paraît pas du tout raisonnable dans votre situation. Vous vous dites, n'est pas si mal que ça. Au point d'en finir. Je me dis, vous avez encore des ressources et que vous êtes dans une phase difficile, mais qui peut être traitée. Mais c'est une évaluation très subjective. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Mais je ne vous ai pas dit la chose essentielle, c'est que lorsque quelqu'un doit faire une euthanasie, il doit avoir été convaincu, vraiment convaincu, par la personne en face de lui que c'est vraiment le meilleur dernier service à lui rendre. Le meilleur dernier service. Alors, ce travail de conviction, il ne va jamais s'obtenir dans votre contexte en une seule consultation. Je me doute bien. Hein? Vous voulez m'expliquer autre chose? Non. Non. Si ce n'est que, voilà, les personnes qui sont malades moralement, il faut les comprendre.
Il ne faut pas forcément leur dire « Allez, ça va aller ». C'est justement ce qu'on n'a pas envie d'entendre. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas qu'on nous plaigne. Mais on ne veut pas « Allez, t'as tout ce qu'il te faut ». Mais non, non, non. Qu'on arrête avec ça. D'accord. J'ai été confronté à une demande d'euthanasie à ma consultation et j'avais rendu un avis qui était plutôt positif. C'est une dame qui a souffert d'une leucémie lymphoïde et puis elle a arrêté tout traitement, elle a eu marre des chimiothérapies qui la rendaient malade. Elle est aussi très tabagique et elle a abîmé ses poumons sans doute avec cette toxicomanie et j'ai donc renvoyé cette personne à Frédéric pour avoir un troisième avis puisque... Comme pneumologue, elle pourrait peut-être rendre un avis sur sa pathologie respiratoire. Et donc, Frédéric m'a renvoyé un rapport négatif. Donc, moi, je rencontre une dame qui arrive en chaise roulante, accompagnée de sa voisine. Elle me dit d'emblée qu'il n'est pas question qu'elle fasse de traitement. À moi, elle m'a dit aussi, « Ah, moi, si vous n'accédez pas à ma demande, je me débrouillerai toute seule. » Je lui explique aussi que je peux l'aider à faire des démarches au niveau de du logement social qu'il occupe pour qu'elle puisse bénéficier d'un rez-de-chaussée plutôt que d'un premier étage, ce qui améliorerait sa qualité de vie. Et d'emblée, elle refuse aussi cette proposition. Alors, ce que j'ai expliqué à la patiente, d'un point de vue purement pulmonaire, elle n'est pas à un stade terminal de sa maladie. À mon sens, cette dame n'est pas dans les critères pour pouvoir bénéficier d'une euthanasie. Voilà pourquoi mon avis est négatif. Je dois avouer, en toute honnêteté, que j'ai certaines difficultés avec l'euthanasie pour des personnes qui ne sont pas en phase terminale. Mais d'un autre côté, je voudrais dire ceci. On a quand même affaire à une patiente qui verbalise à répétition son envie de suicider. Si demain, nous la retrouvons avec les deux artères radiales coupées dans une mare de sang, vous n'aurez pas l'impression qu'on a un peu raté notre coup, qu'on est passé à côté d'une demande réelle et qu'une bonne euthanasie est mieux qu'un suicide dans l'horreur, finalement. Dans toutes ces demandes-là, il y a une tension, toujours. Hein. Quand un patient ose demander la mort à un médecin, il sait que ce n'est pas évident. Donc, qu'elle pose le problème comme une tension entre le médecin et elle, ça, je trouve que c'est plutôt sain. Je ne pense pas que c'est pour faire vraiment un rapport de force. Je pense que c'est surtout pour démontrer sa souffrance, en fait. Ou en tout cas, le fait qu'elle y a... Voilà, sa motivation, qu'elle y a bien réfléchi. Oui, c'est pour vraiment essayer de faire comprendre à la mesure de la souffrance. Alors, c'est sûr que la souffrance psychique, ça ne se grade pas de la même manière. Et obliger les gens à trouver du sens ou à changer leur vie ou à trouver un peu de confort, c'est compliqué parce qu'ils sont aussi en droit de dire « ça va, c'est bon, j'ai plus envie, j'ai fait le tour ». Je la comprends par rapport au fait que sa vie n'a plus réellement de sens. Mais je pense que le suicide, c'est un choix personnel, c'est compliqué, etc. Je ne regretterai pas mon avis négatif si madame se suicide parce que je continue à penser que probablement que voir un psychiatre pourrait permettre d'obtenir un avis positif pour les bonnes raisons et qu'en tout cas, je ne suis pas là pour répondre à sa demande pour les mauvaises raisons. Voilà. Voilà, je pense que le pneumologue dise non. Ça, c'est tout à fait logique et c'est même sain, puisqu'on ne va pas mettre fin à sa vie pour une maladie pulmonaire. Ça me fait plutôt penser que peut-être elle n'a pas trop envie de se suicider, que c'est une demande d'autre chose. Mais il y a un travail à faire de précision de la demande. Et ça, tu l'as déjà un peu fait en disant ben, « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer votre vie ?» Finalement, tu as essayé de lui donner envie de vivre. Enfin, en tout cas, d'améliorer la façon dont elle vit, oui. Il y a quelque chose qui me gênerait dans le sens de dire oui à cette euthanasie-là sans avoir posé la question.
Comment est-ce qu'on peut travailler la représentation que la personne fragile a d'elle-même et cette idée qui court la société que quand on ne sert plus à rien, il vaut mieux débarrasser le plancher, quoi. Ça pose un problème de société fondamental quand même, ces euthanasies de personnes âgées qui veulent partir par sentiment d'inutilité finalement. J'avais fait une proposition de mourir. Oui. Et puis maintenant, j'ai changé d'avis. Vous avez changé d'avis sur quoi? Vous ne voulez plus mourir? Non. D'accord. Je pense que tu as discuté avec une assistante sociale, non? Ou une psychologue, non? Il y a pas une dame qui est venue te dire bonjour. Une psy, oui. Et c'est elle qui t'a un petit peu changé les idées? Alors, monsieur Poul, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est vous qui savez. Ah ben non. Non, tonton, c'est toi qui doit... Tu m'as demandé. Bah ouais. Et à un moment donné, t'étais vraiment pas bien. Et tu m'as même demandé de te donner une pilule si je t'aimais. Mm-hmm. Et moi, je t'ai dit que je pouvais pas le faire. Alors, tout ce que je peux faire pour toi, c'est de t'emmener dans un endroit comme celui-ci. C'est vraiment pas ma volonté du tout de faire ça. Mais c'est ton choix. Maintenant, je ne demande pas mieux, tonton, que tu changes d'avis, moi. Ben non, ça va. Moi, c'est... Mais c'est ton choix. Je suis content de mon choix. Maintenant, ça va. Ah, d'accord. Et dites-moi un peu qu'est-ce qui a changé pour que vous puissiez changer d'avis comme ça? Ça a venu tout seul. Ah, d'accord. Cette idée de vouloir mourir était une idée qui est apparue quand? Quand ma femme est morte. Ah, voilà. Et votre épouse est décédée quand? Au mois de mars. C'est tout récent, en fait. Ouais. C'est tout récent. Et c'était ça qui vous avait provoqué cette idée de vouloir, en quelque sorte, la rejoindre? Ah ouais. Après 60 ans du mariage, hein. Oui. Maintenant, je fais comme les autres. Expliquez-moi, ça veut dire quoi, ça? Faire comme ça les autres? Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui attendent de mourir. Ah, d'accord. Eh ben, je vais faire pareil. D'accord, vous allez attendre. Tant mieux, tonton. Ben oui. Mais il faut que tu continues à... Avoir cette mentalité-là, c'est très bien. Je sais bien. Hein. Si j'ai décidé, c'est pour ça. Hein. D'accord. Mm-hmm. C'est vraiment un choix définitif. Ouais. C'est bien. C'est très bien. Vous allez de faire plaisir à votre neveu, savez-vous? Et surtout celui-là. Mais oui. Cher docteur, je ne sais plus quoi faire pour atténuer mes souffrances liées à cette maladie. En même temps, ces souffrances accentuent de plus en plus mes handicaps physiques. Tout cela occupe toute la place dans mes pensées. Je veux tout simplement que ça s'arrête. Les petites choses qui m'accrochaient encore à la vie disparaissent jour après jour. Je me suis efforcé de résister, mais aujourd'hui, je n'en ai plus la force. Alors la date de ma disparition se précise dans mon esprit. À présent, je suis décidé. Il me semble que ce n'est plus la peine de prolonger nos souffrances à ma compagne et moi. C'est pourquoi je reviens vers vous pour décider de la date de mon passage à partir de mi-novembre. Mon choix a été si difficile. L'aide que vous m'apportez par cet acte si brutal sera une délivrance pour moi. À bientôt, Michel Lombard. Donc ils sont là.
Il est arrivé. T'as vu, tu l'as vu passer? Non. Oui. Bonjour, docteur. Monsieur Lombard, bonjour. Bien, vous êtes venu pour votre dernière étape. Oui. Oui. Et je suis bien content. C'est vrai? Oui. Vous me rassurez, hein. J'aime bien entendre ça de votre part. Mais rassurez-vous. Moi, j'ai pas arrêté de poser la question depuis un mois. Oui. Elle m'a posé ça. C'est le bon moment aujourd'hui. C'est bien. Oui. Il fait beau. Peut-être t'aurais pu tenir plus, mais... Bien sûr, un peu plus, mais j'en ai pas envie. Plaisir, j'en trouve plein partout. Là, j'en ai, devant moi. J'ai travaillé toute ma vie avec des artistes, donc... Et je l'ai été moi aussi, artiste. Mmh. Mais... Non, j'ai trop mal. J'ai mal tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc... Eh bien, écoutez, j'en ai assez de souffrir. D'accord. À quelle heure voulez-vous qu'on fasse ça? Je sais pas. Quelle heure est-il? 11h25. 11h25. C'est vous qui serez là? Ah oui, c'est moi qui fais ça. Ça ne peut être personne d'autre que moi. 13h30? 13h30. Ouais. 13h30. J'ai le temps de manger, disons. 13h30, d'accord. Vos deux fils ont quel âge? Ils ont... 30 et 36. C'est encore des jeunes gens, des jeunes hommes. Oui. D'accord. On va faire ce que vous nous demandez, monsieur Lombard. Parce qu'on pense que ce que vous demandez comme aide, comme service, je pense que c'est légitime. On sait que c'est juste. Et qu'on pense que c'est juste. Je crois que c'est on juste. On pense que c'est juste. On pense que c'est légitime. Merci. Et donc, on va faire ce que vous nous demandez. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Suite. Bonjour, vous êtes le fils de M. Lombard. Bonjour, docteur. On a convenu qu'on ferait le geste à 13h30. Vous avez le temps d'aller encore prendre un dernier pas ensemble, comme il le souhaite. Ça va? Si vous avez des questions à me poser, vous les posez maintenant ou bien vous les posez après? Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe. Alors, c'est une induction d'anesthésie générale. D'accord. Donc, je vais demander à une infirmière de me mettre un petit cathéter dans la veine avant de venir. Mais quand je viendrai à 13h30, j'aurai les produits en main. Je brancherai sur le cathéter. Et lorsque votre frère me dira « allez-y », c'est-à-dire qu'il aura eu le temps de vous dire encore au revoir, de vous embrasser, etc., d'écouter la musique qu'il veut, j'ouvrirai la perfusion. Et là, à ce moment-là, c'est comme en salle d'opération. C'est immédiat. C'est 30 secondes après, il est parti. Ça va? Oui. Je crois que l'infirmière a fait son travail. Oui. Prenez votre temps, prenez votre temps. Oui, oui. D'accord. Donc je connecte. Je ne fais rien sans vous le dire. Et au contraire, je vous demanderai de me faire signe quand je commencerai à, quand je devrais commencer à injecter. Sinon, je ne fais rien sans votre signal. Je vais donner un signal. Tu vas donner. Il vous a... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voilà. Voilà. Je n'ai plus, j'en ai que deux mains. J'ai deux pieds. Non, mais regarde, on est tous connectés là. On est tous connectés. Avec l'arbre magique. Avec l'arbre magique. L'arbre magique, oui. C'est une belle... Une belle évocation. Allez. On y va? Oui. Bien, monsieur Lombard, je vous dis au revoir. Au revoir. Adieu. Je vous dis au revoir, monsieur Lombard. Pour le peu que je vous ai connu, je suis... Adieu, mes fils. Adieu, ma sœur. Non, on ne va pas.
téléphone. Je... Ciao. Sur le moment même, on se dit on est prêt, mais enfin, on n'est jamais vraiment, vraiment, vraiment prêt. Tous ceux qui étaient dans la pièce la touchaient. Mm-hmm. On était là, là, enfin, partout. Mm-hmm. François lui donnait la main, vous étiez là. Moi, j'étais là, enfin, tout le monde était, tout le monde la touchait. Mm-hmm. Je trouve que c'est une chance mm-hmm. de pouvoir le faire chez soi et entouré des siens. Oui. Voilà. Ça, je suis convaincue. Ça. Oui. Et puis, elle a dit. Elle vous a fait cette petite blague. Elle a, nous a fait tous bien rire. Mmh. Et puis, elle vous a dit... voilà, je suis prête. Je suis prête. On se dit... Oh, ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Parce que c'est le lâcher prise. Et ici, évidemment, il y avait la particularité de ce qui s'est passé avec Clara, c'est qu'elle a été malade pendant... 3 ans et demi avant d'arriver à ça. On a eu plusieurs fois l'impression qu'elle allait mourir. Oui. Elle était dans des comas profonds. Donc, la sérénité, elle a été aussi la sérénité de se dire elle est partie, elle ne souffre plus. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'imaginer qu'elle ne souffre plus. Mmh. Et c'est ça qui fait que c'est une sérénité, même si elle n'avait que 24 ans. C'était une délivrance pour elle. Et donc, du coup, ça a été une délivrance pour nous. Mmh. Elle nous a donné le temps aussi de comprendre sa décision. Mmh. Elle est arrivée ce jour-là avec une sensation de légèreté, de douceur. Et elle était aussi, je pense, heureuse qu'on ait pu l'accompagner et qu'on ait compris son geste. Voilà. On a eu la chance d'être pour finir en phase, tous. Oui. De mon côté, c'est un geste que je ne pensais pas faire, en tout cas facilement, ça c'est sûr, mais j'ai hésité très fort. Mais elle m'a convaincue aussi. Oui, elle avait tellement envie de partir. Si on aime son enfant, si on aime celui qui veut partir, c'est normal de le faire. Je lui ai donné la vie et je l'ai aidé à passer de l'autre côté et... C'est naturel aussi, je trouve. Je pense pas que ce soit une preuve d'amour de refuser. Mmh. On se sent plus fort de le faire, je pense, que de le fuir. Et ça, je pense que ça a été très important pour elle, de se dire, voilà, je pars un peu d'une certaine manière avec... L'assentiment. Voilà, c'est ça. L'assentiment des autres. Voilà. Voilà. Je trouve que ce qui est quand même dur, c'est le moment où la personne dit... Elle vous a dit, elle dit, je suis prête. Mmh. Et ça va vite, après. Oui. Oui. C'est... C'est rapide. Oui. Voilà, mon tour d'être ému. Je ne serais pas la seule comme ça. Mais c'est vrai que chaque fois que j'évoque des expériences d'euthanasie, que j'essaie de les raconter, c'est difficile de ne pas... Je maîtrise difficilement
l'émotion toujours. Pourtant, quand je suis là, je n'ai pas... J'étais assez maître de moi-même. Mais c'est après. Que manifestement, l'émotion est plus emmagasinée, quoi. Mmh. Elle ressort par moments assez brutalement. Quand une fois que c'est fait, que je serre la main aux familles, que je m'en vais, je me dis, voilà, le lien qu'on a construit, on l'a coupé, on l'a sectionné, vraiment. Et je reste un peu sur... je reste un peu aussi démuni. Mais, encore une fois, sur le moment même, c'est doux. C'est vraiment étrange. C'est rapide. C'est apaisé, c'est doux, et puis c'est fini. Mmh.